premier chaussure. On fait bien les choses ici. Tomb Raider Underworld, je vous le rappelle, elle se met en place, regardez. Elle est une bonne secrétaire modèle. Elle pose ses guns sur son bureau. On fait chacun son truc. Voilà, bien évidemment. En arrivant au bureau, bonjour monsieur, bonjour madame, voilà. Elle se met en place, good. Et on va accueillir notre premier participant. Bienvenue, quel est ton prénom, mon ami? Eric, très bien. Alors Eric, mets-toi en place. Donc n'oubliez pas. Ah, regarde, elle te fait en plus un petit cœur. Tu vois, ça très très bien. Voilà, madame, prends les photos en même temps. Eric est vissé. Voilà, et photo. Allez, mets-toi à côté, prends un pistolet. Et ça shoot, ça crépite, le flash en veux-tu, en voilà. Et je préfère que ce soit madame qui me fasse comme oui, ça. Oh, c'est l'assurance d'avoir une photo à peu près. Mais, en même temps, le gamer, généralement, contrairement aux idées reçues et aux clichés, eh bien, ça se joue en communauté, ça se joue entre amis. Venez avec moi, je vais vous prendre en photo, allez. Justement, quand tu parles de clichés. Alors, attends, on rigole. Faites-lui confiance. Et donc, oui, je vous disais, oui, le joueur, généralement, vient quand même à plusieurs. Le joueur, eh bien, c'est avant tout une communauté, c'est des passionnés. Donc, prenez-vous en photo les uns les journées, très bien. Super, bienvenue, mon ami. Comment t'appelles-tu? Jérémy. Alors, heureux de retrouver Lara. Ouais, ça va, il y a moyen, comme on peut le voir. Le sourire vissé aux lèvres. Et voilà. Regarde, elle replie ça. Elle fait une superbe écriture, tout en rond, tout en douceur. Hein, on pourrait dire, oh là là, Lara Croft, elle fait des coups de gueule, des machins, elle écrit comme un cochon et tout. Mais même pas, elle te fait des belles écritures avec des petits cœurs et tout. Oh, c'est magnifique. Allez, alors par contre, la collection de posters, là, on va falloir juste celui-là, parce que ça va faire trop. Allez, un à la limite, mais vraiment. Donc, allez, voilà, ça filme, ça crépite, ça flashouille. On a des gens dans le public, dont c'était l'anniversaire hier. Ah, génial. Oui, mais c'est pas aujourd'hui. C'est pas libre. Enfin, leur fête, ce sera aujourd'hui. C'est vrai. Mais ils vont passer en plus. Bienvenue. Ah, ça, c'est du semi. Ça, j'aime. Salut. Allez, attention. Oh là là, multi-focus de points. Avec talent de maniement du flingue, yes. Hein, chez ce monsieur. Ouais, ouais. C'est assez impressionnant. T'appartiens à quelle gang? Donc je vous rappelle, comme je vous le disais tout à l'heure, essayons néanmoins de penser à tous ceux qui sont derrière, qui sont un peu plus loin, pour aller assez vite, parce que sinon malheureusement, le timing de Lara étant quand même assez réglé, comme du papier à musique. Oh oui. Non, et bien, vous le savez, aussi, hein. Non. Ça m'embêterait un petit peu, donc on va essayer d'aller le plus vite possible. Mais on rappelle quand même que la journée est encore longue, qu'il y aura encore d'autres sessions. Voilà, attends, il y a quoi? Il y en aura midi 30, 15h, 17h, il restera 3 sessions encore de dédicaces. Il faut se passer le mot. Donc vraiment, les personnes, car je le sais, je peux vous le dire d'ores et déjà, qu'il y a certaines personnes là-bas qui n'auront a priori peut-être pas le temps d'avoir leur dédicace, voilà. On les regardera bien et c'est les personnes qu'on va passer en premier à la session suivante. Voilà. Oui, à deux, voilà. Alors là, vous êtes mes héros du jour. Et pour cela, nous allons chanter un cantique. Voilà. Alors, on va faire du passage en groupe, ça va être pas mal. Il fait froid dehors. Mais tu viens d'arriver en fait? Donc, il fait bien plus chaud à l'intérieur. Allez, oh, elle prête ses guns en plus, elle est adorable. Voilà, allez, on s'est réveillé. Non mais ces photos valent pas mal, je pense. Rick Hunter. Derrick Roux, le renard. C'est vrai, le série, renard. On en parle pas suffisamment. Ouais, il y a peut-être une raison, je ne sais pas. Merci à toi, en tout cas. Allez, les jeunes, vous vouliez passer à deux aussi, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Et c'est maman qui prend la photo. Vous voulez avec eux? Non? Très bien. Oh, madame. En tout cas, c'est chouette, c'est toute la famille qui vient. Voilà, ça c'est beau. Ça fait plaisir aux deux enfants. Mais c'est ça, le jeu se partage. Le jeu n'isole pas, Julien. Les gens ne le savent pas. Autant d'être avec Lara. Ouais, carrément. Regarde, elle t'attend, elle est avec toi pour une belle photo. Hein? Julien, est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi que le jeu n'isole pas, le jeu se partage? Mais le jeu est avant tout une passion, et la passion, ça se communique. Exactement, merci. Et lorsque j'entends des gens dire que le jeu vidéo referme sur soi, bah, pas du tout, le jeu vidéo, la preuve hein, aujourd'hui, si vous êtes tous là et vous êtes contents, il y a bien de raison. Ensemble, le jeu vidéo n'est pas un hasard, n'est pas seulement qu'un exutoire, c'est avant tout une passion. Oh là là, gros zoom, mais le coquin, qu'est-ce que tu zoomais comme ça, toi?
Dis donc. Un monsieur qui porte une belle casquette Umbrella. Voilà. Elle l'a. Mais qui fait je n'osais pas la faire. Mais qui fait aussi penser à des zombies, me semble-t-il. Tout à fait. Alors, il paraît que Resident Evil 5 est dans la place aussi. Enfin, des petites choses. Pas mal d'exclus, c'est aussi ça. Eh bien, le Micromania Game Show. Et d'exclus, vous en voulez. Vous en aurez avec Tomb Raider Underworld, bien évidemment. N'est-ce pas? J'ai envie de dire que la plus belle des exclus, elle est là en ce moment. Tout à fait. Alors, c'est ici que ça se passe, et ça, les gamers l'ont bien compris d'ailleurs. Je n'ai qu'à lever les yeux pour m'apercevoir et m'en convaincre. Très bien. Alors, faut dire un truc, genre Abracadabra ou. Monsieur, non, c'est bon. Il pointe quand même Lara. Voilà. Et voilà, attention. Voilà, ça y est. T'es dur. La photo est dans la boîte, c'est nickel. C'est un monsieur Oxbow. Génial. Alors, on continue de plus belle, mes amis. On continue. Alors, vous êtes des accros du zoom, là, tous. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que de base, ça zoome pas sur le visage. Avec raison. C'est des appareils, généralement, qui repèrent les sourires. Voilà. Ça repère d'autres choses. Mais des choses qui vont sourire aussi. C'est beau, la technologie. Viens, mon ami, comment t'appelles-tu? Romain, bienvenue avec nous, bienvenue avec Lara, surtout. Un moment historique pour toi. Tout à fait entre nous, soyons francs. On se fout de nous. Bien sûr. On comprendra et c'est normal. On n'y en voudra pas. Regarde. Moi, je suis heureux, tu vois. Les gens repartent avec un sourire énormissime. Des souvenirs plein la tête, des paillettes plein les yeux. Il y a des gens qui veulent prendre des photos. Bien sûr, prenez. Voilà, bonjour. En plus, des gens qui apportent de magnifiques oreilles. C'est vrai, enfin, on pèserait un peu grand, mais bon, c'est un choix. C'est un choix de vie, c'est ma vie. Allez, attention. Super. Ouais. Yes. On the box. Parfait. Parfait. Next one. C'est bien, allez-y les mecs, hein. Vous auto-gérez. Moi, je suis fan. Ça vous plaît. On a des fichiers. Il y a des gens qui s'insultent bien. J'aime cet esprit d'équipe. Et clic, clac, c'est dans la boîte. Le petit oiseau est sorti. Allez. Allez, on se dépêche, alors avec les sacs et tout, hein, parce que c'est vous. Est-ce qu'ils sont bien autogérés? Allez, just a big smile. Ils sont bien carottes, moi. Oui. Allez, et regarde, clic, hop là, j'ai pris l'écran. Voilà, c'est dans la boîte, c'est bon. Super, voilà, allez, suivant. C'est notre ami, qui s'intitule comment? Wilfried? Ah, comme dans Soul Calibur, j'adore. Est-ce que tu as la même épée, mon ami? Oui, pareil, au-dessus de la cheminée, comme ça. Pour aller couper du bois. Les gens n'ont pas tous des cheminées. C'est vrai. Donc, non, il y a que les gens qui gagnent des Oscars. Ou les Oscars. On est quand même en France, tu vois, avec quand même un grand passif culturel traditionnel. Il y a que les gens qui aiment. Il y a que les garanties. Qui vont faire le mec ou les cheminées. Je sais plus cheminer, comment ils rentrent. C'est vrai que c'est une grande problématique. J'aime bien être un peu régressif. On a des trucs que quand tu as 5 ans. Tu vois, tu t'y dis oui à un et puis après tu dis oui à l'autre. Allez, vite, dépêche-toi. J'aimerais que tu sois à l'image du gantelet de Thor que l'on retrouve dans Tomb Raider, que tu aies une poigne de fer. Voilà, dans un gant de velours, même pas, non, on va mettre tout en fer, je crois, parce que sinon. Ok, tac, et. Parce que je vois la foule. Voilà, c'est dans la boîte. Je répète, hein, et c'est vraiment pas pour faire de l'appel à certains. Il y en aura pour tout le monde, et tu as raison de le dire. Il y en aura pour tout le monde dans la journée. Tout à fait. Et pas forcément dans une session dédicace. Super, les copains. Excellent. Voilà, allez, ça shoot. Oh là là, trois appareils. Un appareil dans chaque main, regarde. Clic. Allez, clac, souvenir. Donc vous l'avez vu par les signes kabbalistiques que Tristan, ici présent, m'envoyait. 10, ça veut dire 10 minutes. Dans 10 minutes, malheureusement, cette séance de dédicace devra. 10 heures de dédicace. Voilà. Mais je vous le rappelle, hein, des séances de dédicace, il y en aura encore 3 aujourd'hui. Une oui, vers plus, à peu près 1 heure. Ouais. 15h, 17h. Vers 15h30 et vers 17h30. C'est seulement la première de la journée, donc heureusement, il y en aura pour tout le monde. Et ça, c'est un grand plaisir. Avec voilà, regarde, t'as vu, elle fait ça comme dans le jeu, bouge les monoblocs. C'est génial. Et elle le fait bien de manière fluide. Lara a vraiment changé. Ouais. Attention, Happy Face, génial. Hop. Et voilà, ton appareil photo accessoirement. Allez, on y va tous les deux. C'est de se rendre compte que, contrairement à d'autres stands, on voit qu'il y a une certaine mixité quand même qui se dégage. Oui, c'est ça qui est génial. Il y a beaucoup de gamers, mais il y a aussi pas mal de gamers, ça fait plaisir. Voir que Lara fédère un petit peu tout ce public.
C'est mythique. Pas pourquoi. Non mais complètement. Mais tu sais que c'est la seule héroïne, on va dire, de jeux vidéo. Puis du moins, dans le domaine de l'action, c'est la seule qui rallie effectivement aussi bien les filles que les garçons. Et ça c'est quand même une prouesse dont on se félicite. À deux, génial. Allez, même à trois, allez, tu vas aller avec lui. Non, non, monsieur, il est... Ah non, il a photo. Il est avec sa copine, il veut rester avec sa copine, je comprends. Ça c'est tout à fait normal. Alors lui, il s'était mis en mode macro. Oh, petit vicieux. Alors, voilà. Et clac, c'est dans la boîte, nickel. Voilà. Allez, je vous prends tous les deux. Hop là, on y va. Youhou. Ah, il y a des sourires avant même d'arriver. Ouais, déjà, oui. Ça sourit à gogo. Est-ce que la copine est aussi heureuse? Oui, regarde. Ouais, Lara Croft, j'adore Lara Croft. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est son copain. Elle jette des regards à son copain, elle regarde pas trop près. Ouais, c'est ça, c'est pas mon flingue qui peut. Voilà. Yes, c'est bon. C'est cool. Souvenir, souvenir. Merci à vous. Et à toi, mon ami. J'ai vraiment non, mais, hein. Très froid de... Et toi, tu n'as pas de photo? Alors attends, je me permets de fermer ton sac parce que tu vas te faire tirer, je sais pas ce que t'as dedans. Hop là, voilà, c'est fermé. Parce que c'est ça aussi le service hein, sur le stand de Tomb Raider Underworld. Effectivement. C'est l'amour du travail bien c'est fait. C'est le service confiance. Vous remarquez que nous le prenons les confiance est ici. Nous attends, fermons les sacs à dos. Enfin, oui, pardon. Ah, pardon. Pousse-toi mon ami, tu regardes un petit peu. Voilà. Alors, c'est lui qui te prend photo. Voilà, c'est bon. Yes. 5 minutes. Ensuite, c'est vous. 5 minutes. Tous les deux. Là, ah oui, là, d'accord, ok. Je dois prendre une décision. Mais un photo en veille, là. Je dois prendre une décision et après, on va faire jusqu'au monsieur à la casquette rouge, New York, juste derrière yes. Cette coupe. New York, malheureusement. New York. Et malheureusement, ce sera la session d'après. Je suis vraiment désolé. Je me tourne vers Tristan et je ne peux pas faire autrement. Attention. Juste derrière le monsieur. Salut tout le monde. Hop, je suis derrière là. Mais j'ai dit juste alors, derrière le monsieur là. Est-ce que voilà, papa et le fiston sont fans tous les deux de Lara Croft? C'est pas moi ça qui décide. Bien. Ouais, regarde, il y a Julien. Gamer de père en fils, c'est beau. La transmission. Bah oui. C'est beau. Papa me disait tout à l'heure qu'il jouait lui à l'époque sur Atari 2006 et que voilà, et puis qu'il a initié son fils. Et moi là-dedans. Je me dis que dans ce genre de cas, je sais pas qui est plus heureux, si c'est le fiston ou le papa. Je suis tout à fait d'accord. J'ai personnellement un petit doute. Alors, avant, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Parce que là, t'as un zoom, je vois les poils du nez de Lara. Mais je ne vois pas. Mais Lara n'a pas de poils dans le nez, d'ailleurs, monsieur. Ils ont cherché, mais n'ont pas trouvé. Ah, d'accord, très bien, super. En fait, t'es une grosse blague. Non, c'était un bouton qui était caché. Voilà. Yes, c'est du tout bon. Alors, et voilà, c'est beau ça les joueurs, intergénérationnel Lara Croft. J'aimerais être rigoureux, là je vois que ça est en train de passer, de se filer la rigueur. On coupe là, mais vraiment derrière, vraiment ça sert à rien. Derrière c'est bien. Derrière ils auront des t-shirts. Ouais, et voilà, après il y a un défi. Ils auront le jeu concours. Après, tout à l'heure, je te promets. Et toi je sais pas pourquoi t'es là encore, parce que tout à l'heure t'étais là. Je sais pas comment tu t'es fait pousser. Je comprends pas ce qui s'est passé. C'est sa faute, t'as pas de bol. Hein, ça. Mais vraiment, c'est pour que Lara, elle est là une fois de plus, je vous le rappelle, hein, à 15h30. Allez, ensuite. Elle sera de nouveau ici à 17h30 aussi et à. Oh là là, à tous ces heures 30. Et vers 13h aussi. 15h30, 15h30, 15h30. Les présentations sur la grande scène. Que des 30. À 15h et à 17h. Vous passez à deux, vous êtes ensemble. Vraiment, si vous êtes pas, vous aurez l'occasion d'avoir votre dédicace. C'est juste que là, aujourd'hui, allez, photo. Tout de suite. Il faut bien s'arrêter un moment. Tout à fait. Enfin, vraiment, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est ça l'exclusivité, c'est ça Larry Croft. Allez, viens mon ami, le t'as un appareil photo, non? Je suis désolé, je dois faire la police. Voilà, la police. Allez, il fait la police et il la fait bien. Oui, non, non, mais on rigole, mais c'est vrai que c'est complètement terminé. Alors, attends, il a pour matraque la poésie et la gentillesse qui s'appelle Julien. Je peux pas faire autrement. Ah oui, il peut pas faire autrement. Par contre, elle va faire des petites photos pour vous, vous inquiétez pas. Vous êtes pas voilà. C'est en photo, vous inquiétez pas, mais c'est juste pour les dédicaces. Mais oui, là on parle de dédicaces. Je vais la police, allez, mais allez, vous êtes bien obligé. Vous montez à deux, c'est génial les amis. Derrière le monsieur là, c'est le dernier. It's the last, Tristan est là bien sûr. Non mais on va vous faire un. C'est la première de la journée, je vous rappelle, donc il y en aura encore le en plein direct tout à l'heure. Il reste trois. Facile. Facile. Et ça c'est génial, et ça c'est le plaisir eh bien, de participer ensemble à de beaux événements comme ce Micromania Game Show. C'est bon, ça y est? Yes, c'est bon. C'est dans la boîte. Yeah, vous êtes à trois, je vous prends tous les trois. Vous êtes mes amis. On va être copains pour la vie.
tu vois, 3 par 3, c'est pas beau ça? Je suis vraiment désolé pour ceux qui n'auront pas leur dédicace ce matin. Mais ils l'auront tout à l'heure, Julien, voilà. Ils l'auront tout à l'heure. Il y a 3 sessions encore tout à l'heure, il y aura des photos après, on fait le maximum pour vous. Mais pensez aussi à Lara, si vous voulez qu'elle ait un beau sourire sur vos photos, il faut aussi qu'elle puisse avoir le temps de se reposer. Mais surtout qu'elle a des interviews, elle a pas un timing très très serré quand même. Elle, et elle a pas 3 flingues là, pour l'instant, désolé, il y en a qui... Allez, stabilise-toi, t'as un truc douce. Clic-clac, voilà, non, du mal à y venir. Ça y est, allez bien, allez bien. Allez bien. Alors, ça c'est assez significatif. Ensuite, ici on notera. Ah, c'est bien. Ça, un peu plus de 3. J'aime l'esprit. C'est la famille, je te dis, moi, Lara Croft, c'est la famille, toute la famille joue. Intergénérationnel, mixte, c'est bon ça. Alors. Merci vraiment à tous ceux qui malheureusement n'ont pas la chance d'avoir la dédicace tout à l'heure. Merci à toi, Julien. J'espère que vous comprenez aussi un peu. Oui, bien sûr qu'ils comprennent, bien évidemment. C'est pas contre vous, loin de là. Mais non. Alors, 8, c'est pour que tout le monde puisse avoir ses photos à temps. Voilà. Non, mais en plus, attends, c'est la première de la journée. Hier, tout le monde est reparti avec. Et puis, je vous rappelle que juste derrière, après ces séances de dédicace, vous aurez quelques instants pour faire des photos avec Lara, qui sera là sans cette table. Ce sera un peu plus joli. Et puis en plus derrière un jeu concours qui vous permettra de repartir avec des t-shirts, de repartir avec des statuettes pour le meilleur d'entre vous, la meilleure d'entre vous. Puisqu'hier c'était une femme qui l'a encore. Allez, voilà, ça c'est du stylish. J'aime cet esprit. C'est dans la boîte. Hop, pour vous les garçons, des souvenirs à gogo, on pagaille. Allez, super. Ok, très bien. Hop, hop, hop. Julien, t'es en train de piquer la vedette. Elle est merveilleuse. Alors j'appuie. Ça y est, c'est bon. Hop. Ensuite. Coucou. Ça va? Allez, nous sommes dans les tout derniers instants de cette dédicace. Et ils sont heureux, ils peuvent être. On a vu beaucoup de sourires et on voit que Lara vraiment se prête au jeu avec délectation aussi. Oh, ça me fait des trucs solaires là. Dans 2-3 minutes, ici même sur le stand de le jeu concours. T-shirt. Qui va vous permettre, vous, de monter ici même sur cette estrade et de briller, je l'espère pour vous. Des boitons d'une agace à gogo. Et on va repartir, comme tu tiens cet appareil, et repartir avec des t-shirts et peut-être même une statuette collector. Ne bouge pas, on a encore un petit peu de temps. C'est vrai. Allez, c'est parti. Allez, ce sont les tout derniers, les chanceux. Ah oui, ceux qui ont su corrompre les juges. Voilà, on se rapproche, très bien. Allez, on prend les petites émissions, on fait un grand sourire. C'est parti, autant de joie qu'un concert de Tokyo Hotel. Moi, ça m'en fout. Moi, je suis heureux. Alors, voilà, là on parle business, mon ami. Ça, c'est bien. Ouais. Là, on parle photo. Là, on parle que tu vas casser avec l'appareil. Non. Voilà, c'était Lara Croft. On se retrouve dans 2 heures. Alors, attends, voilà, là, c'est bien. Oui, parce que le problème, c'est que c'est un bon appareil, mais du coup, tu sais pas t'en servir. Mais si, regarde. Attends, faut te prendre la bague. Voilà, très bien. Super, avec le capteur derrière. Bonne pause. Clic-clac dans la boîte. Et voilà. Je crois qu'on peut applaudir et remercier Lara. Oui, Lara. Merci beaucoup. Merci à toi, Lara. Formidable. Just few movements with your gun for all your audience. Mais qu'il est fort, ce Julien. Aussi fort que Lara, presque. Oui. C'est complètement magique. Je retire ce petit poster. Quelqu'un d'ailleurs l'a perdu. Est-ce que quelqu'un qui vient de partir a perdu son poster? Sinon, quelqu'un d'autre peut le retrouver, peut-être. Écoutez, on va dire que c'est un monsieur. Voilà. Hop. Là, voilà. Merci. On fait le ménage, on range un peu. Voilà. Elle est magnifique. Elle est superbe. Et elle est pour vous, ici, au Micromania Game Show. Messieurs.
Mademoiselle Mita. En exclusivité internationale, découvrez pour la première fois Tomb Raider Number 1. N'importe quoi. Mais c'est néanmoins vrai, le 21 novembre. Allez, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Elle était là pour vous, elle revient tout à l'heure, je vous rappelle, hein, 12h30 sur la grande scène. Venez à 45 ici pour être sûr de passer dans les premiers.